ça. Alors je l'ai jamais lancé, ce qui veut dire que je ne l'ai jamais configuré, il faut croire que je m'y attelle. Alors tac, tac, le chat et hop, hop, je dis jouer. Bon, c'est parti. Alors, hôtel des ventes, ouais, ça les va ventes toujours. chat sont partis. On a qu'un niveau pour l'instant. Bonjour Christella, Piece of Cake Studio. Alors, avertissement. Dark Hours est actuellement dans sa phase de développement. Cette version ne représente pas la qualité finale du produit. Vous pourriez rencontrer des problèmes, des bugs et des comportements inattendus. Néanmoins, nous espérons que vous appréciez le jeu et vous serez ravis de lire Vous avez pris... nos commentaires sur Discord. Quoi? Vous avez pris le mauvais? Comment ça, Pourquoi? le mauvais? Moi j'ai Dark Hours Prologue et vous avez Dark Hours Démo. Ah! Bah oui, moi j'ai que ça. Ah, pense bien. Pourquoi le prologue il est où? Je sais pas. Ah oui, alors là il y a. Si Attends, prologue regarde. Et démo sont pas la même chose, ça va pas. Moi j'ai que démo puisque le jeu est pas sorti donc. Bah oui. Moi j'ai prologue. Attends, je vais regarder. Ton histoire de prologue, Twinsen. Ah bah oui, il y a les deux. Ah oui, je vois prologue aussi, ouais. Vous avez pris le mauvais. Ah ouais, donc il faut prendre le prologue alors. Voilà. Alors, mauvais parce que toi, la démo, on va être isolé, c'est ça? Ah ouais. Quelle est la différence entre la démo et le prologue, s'il te plaît? Bonne question. Voilà. Mais je pense pas que ce soit les mêmes, donc du coup, voilà. Alors, page du magasin. Bon, bah écoute, je t'ai chargé en express. Ajouter à la bibliothèque. Free to play. Téléchargement. Pardon, le prologue, ils ont mis des patchs. Donc, déjà, ça peut être intéressant. Il fait 5 gigas le machin. Ouf. Ah ouais, moi j'ai que 3 gigas 17. 336. Un prologue. Ouais, c'est bizarre. Bon, bah écoute, on va essayer. Attends, ça. Je vais quitter l'autre parce que. Tu vois, c'est bien, c'est en français déjà. Ah, c'est bien. Ah, bah oui, heureusement. Un bon point. Alors pardon si ça entrecoupe ou si ça casse mon direct, je vais pleine puissance rapatrier les 5 gigas de données. J'en aurai pour 5 minutes. C'est beau la technologie quand ça marche. Bah, 5 minutes pour 5 gigas, c'est bon. C'est un peu long quand même. 2 minutes maintenant, il me dit. Ah, c'est façon diesel. Ah. Donc j'ai mis un... Oyo Popo, comment ça va, Dizubi? Ah, on est content de te voir, Poupon. Poupon, Poupon, Il reste une place s'il veut, hein. Oui. Ah, il a trop peur, le Poupon. Ah oui, les jeux d'horreur, c'est pas... Bon, déjà, quand tu vois l'illustration du jeu, c'est vrai qu'il y a des boules à se faire popo dessus, oui. Ça fout les boules au panda, ça. Oui. Non, oh. Mais. Voilà, potentiellement, vous risquez de m'entendre hurler, donc au moins je vous aurais prévenu. Oui, toi aussi, tu dis, tu fais le constat, ça va mieux au niveau température. Moi, j'ai un mal de chien à évacuer la masse d'air chaude dans mon logis. Mais je me sens mieux que depuis ce matin. Alors que ça fait depuis plus de 24 heures que le redoux chez moi a lieu. Mais bon, bref. Et là, je carbure quand même encore au ventilo pour être vraiment être peinard avec vous jusqu'à minuit et des brouettes. Parce que je suis décalé à cause de la foutue chaleur, je me suis endormi, enfin je suis allé me coucher à 2h du matin, chose qui m'arrive jamais. Mais je suis bien décalé à cause de la chaleur. Message de Torota 77. Une poule qui en chie s'appelle une poule au pot. Bravo Torota, excellent. Les redoudous. Le jeu il est prêt, c'est beau la technologie. Ah mais il y a des gens dedans, on va l'inviter. Où j'attends un petit peu. Yeah. Merci Twins. Alors, Piece of Cake Studios. Bonjour le chat, dit Poupon. Bon voilà, j'ai déjà lu le blablabla. Alors, paramètres. Attends, je vais paramétrer avant d'accepter ton invite. Français. Les graphiques, tout ça.
Illimité. Non, ben 30, ça suffit, 30 cachets. Ouais, tutoriel, oui, je veux bien enlever les 30 cartes. Non, affiche curseur, oui. Contrôle. Ah, bordel, c'est imposé. Ouais, on peut pas changer, bah c'est la démo, hein. Donc, ah merde, la... ouais. Ah, ça va être chiant ça. T'es les touches en haut. Non, t'as des doublons avec le clavier et la souris. Hein. De toute façon, après, on peut mettre l'ordi en version anglaise pour le clavier si ça ne peut pas changer. Ça, on verra après quand on aura fait quelques pas. Ça. Je m'étonne. Il change pour mieux. Ah, prends un petit peu de que j'ai un. Global épique. Non, peut-être pas, on va peut-être se calmer. Ah, bah j'ai tout mis en épique, hein. Donc, bon. Oh, j'ai je vais ménager mon ordi, moi. La post-traitement est bas. Bon, elle en est où la piste là? Et attends, ça charge, c'est un peu long de mon côté, je sais pas pourquoi. Ah bah oui, c'est le sud, hein, c'est loin. Alors, il y avait une invitation de monsieur Poinosan. Ah oui, le prologue est pas la même version. C'est Internet à Latine, en fait, là-bas. Hein. Le Renoir est arrivé normalement. Jouer au jeu. 2 minutes apparemment. Chargement. Alors qui dit Ah. Attends, je vais te couper parce que. Ah, capitaine, voilà. Bonjour. Coupe ton micro aussi en même temps, sinon on aura des doublons. Il y a trop sur mer, Ashkarkapak, le Vénard. On s'en fout. Nous, on n'y est pas. Je dis les Vénards. Il y a trop sur mer. Là, 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 là. Équipement. Quoi ? Indisponible dans le prologue, l'équipement. Oui, clique sur ton micro, sinon ça va faire des doublons. Oh, pardon, monsieur. Voilà. Ouais. On va attendre madame quand même. Hein. Bah oui, on va attendre Christelle. Ouais, tant qu'elle fasse leur passage, le ménage, tout ça. Voilà. Oh. Ça parle mal. Plus chez l'eau, plus chez bon, dit Poupon. Ah bah bravo. Ah, chacun ses motivations. Hein. Alors, cette terrasse chez toi, Poupon. Dis-moi que tu sirotes des verres de chouchène avec. Je vais dire avec réglisse, non, je me trompe de félin de salon. Avec. C'est pas la même personne. Fripouille et Lady. Ouais. La 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 la. Ah bah, c'est bien comme d'habitude, hein. Qui c'est qu'on attend? Toujours les mêmes, les femmes. Oh. Non, mais attends, mais j'étais prête, moi, c'est toi qui nous dis qu'il y a encore une autre version de jeu et. Ah, bah oui, après la mauvaise. Moi j'étais prête. Hein. J'ai mis je pourtant le bon lien dans les chats. Hein, bah écoute, je sais pas, ou alors c'est moi qui est merdé, qui ai pris une mauvaise version. Je suis navré, mais bon. Vous avez dû le taper à la main, je pense. C'est possible. Ce serait tout moi d'ailleurs. Désolé. Le problème, c'est que le lien qu'il y a. Oui, le lien qu'il y a dans le. Les copains, en fait, t'atterris sur la page du magasin, t'as la démo et dessous t'as le prologue. Voilà. Voilà. Mais il faut savoir qu'il y a le prologue. Ouais, bah oui. Non, je savais pas qu'il y avait le prologue. Le jeu complet n'est pas pour tout de suite, hein. T'as plus le droit. Dur. Ah, là, voilà, on va attendre un petit peu et après j'invite. Alors, je dois préciser au niveau des apéros sans alcool, c'est en fort développement des apéros sans alcool. J'ai vu un reportage récemment. Les bières, même les célèbres comme la Desperado, pour pas la nommer, il y en a plein qui se mettent au sans alcool et visiblement avec succès. Desperado, ça... mais est-ce que tu as aussi des Desperas ventre? Ouh là 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 là, on a perdu une scène, adieu. T'es nul la blague. C'est sucré. Ouh là, qu'est-ce que ah, je fais là? Oui, c'est trop sucré pour toi, oui, ça la fout mal. Oui, il se met en anglais, moi, le mien. Ouais, c'est dur. C'est attends, dur. J'ai baissé le son, mais il a pas baissé. En fait, t'as le droit de carburer qu'au café, en fait, se faire plaisir pour plonger la pression. Ah, language. Et évidemment, le café sans sucre. Re, petit Seb. Et petit Seb, si tu veux nous rejoindre, tu le dis. Là, on est parti sur le manoir à cambrioler qui est visiblement hanté. Alors, il faut pas prendre le lien que j'ai donné, je me suis planté. Je vous ai donné le lien de la démo de Dark Hours. C'est le prologue qu'il faut prendre. Prologue. Dark Hours Prologue. Attends, est-ce que je peux l'écrire dans mon chat?
Oui. Attends, oui, c'est AZERTY, non? Hop, AZERTY. Quick. Voilà, c'est ça qu'il faut prendre. Prologue, prologue, je l'ai mis en évidence. Ah, petit set d'urgeon aussi. Ah, c'est cool. Ah, bah, on sera 4, on sera maximum, ça serait bien. Ah, bah, c'est génial, c'est génial. Bah, du coup, je vous remets ma tronche. Parce qu'on va pas rester à regarder, à contempler le. Ah, mais attends, est-ce que je l'ai un ami aussi, petit set? Parce que je pourrais pas faire la fin de la nuit, je l'ai pas. Oui, bah, mais alors, il va télécharger le jeu, et pendant qu'il télécharge le jeu, petit set, il va te mettre un ami dans Steam. Ouais. Attends, c'est où ça? Alors, je salue la cohérence de Petit Seb Live qui a le même pseudo sous la plateforme, ce qui n'est pas mon cas. Donc pour le retrouver, ça va être facile. Oh, je sens qu'on va vivre un grand moment. Je me réjouis d'avance. Alors, salut. Chatebeck, je suis la voix de Petit Seb. Allô, Petit Seb. Ouais, il me semble que oui, c'est la démo que j'ai téléchargée, c'est pas le prologue. Ouais, le prologue, ouais, non, mais c'est ma faute, c'est moi qui faisais un dû en erreur, désolé. A plus, Raxar ouais. Kappa, profite bien de la plage. T'as bien raison, vénard. Tout est toujours de la faute du sage, de toute façon. Poupon dit café, thé, eau pétillante, eau plate, ma vie. Je viens de faire une petite demande d'invitation à Petit Seb, normalement. En tant que nana mouche pourrie. Ah oui, c'est son nom à Tunset, c'est Nana Mouche Pourri, avec évidemment le vrai portrait de Nana Mouche Pourri. Mouche Pourri, je sais plus, ça m'a troublé le pseudo. Ah Christian, bah, Mouche Pourri. Pardon. Bah, Mouche Pourri. Voilà. Oui, je lis ce que peut siroter Poupon. En parlant de thé, pareil, dans les forums, là, le Discord des développeurs de La Cuisine à une Main, là, le One Armed Cook. Il y en a plusieurs, effectivement, qui ont fait un billet pour dire rajouter le thé dans les missions de bar. Peut-être que ça va venir, du coup, parce qu'ils sont plusieurs à le demander aux développeurs. Et... Ah, par contre, qui sait, t'es en ligne, est-ce que c'est normal? C'est normal, je suis tout le temps en invisible. De toute façon, je suis en train de télécharger le jeu. Ça va, devrait pas prendre trop longtemps. Bon, on est tous niveau 1, donc c'est bien, comme ça il n'y a personne qui en avance sur l'autre. Ouais, hein. Complètement. Ouais, ouais. On est tous à égalité. On aurait invité Torota, il aurait déjà été au niveau 150 en moins. Comment j'ai fait ça, moi? Bon, moi, dans le métier, on m'appelle le leurre. Tu vois, je cours partout. Oui, mais là, on aura un but, c'est de faire une sorte de casse du musée, on va dire. Mais en fait. Embêté par quelque chose. Ouais, on va découvrir ça. En courant partout. Et un jeu complet, et t'en avais prévu, hein, donc je sais pas quand, mais voilà. Bah, ils le sortent le mois prochain, normalement, s'ils ont pas de retard. Est-ce qu'il sera gratuit ou pas, c'est autre chose, mais voilà. J'en doute. Je pense qu'ils vont faire le choix du modèle classique, c'est-à-dire payer 20 biftons ou moins pour votre copie. Pour... Enfin, je dis ça, je suis pas... Mais voilà, du peu que j'ai lu, que j'ai vu de la démo du jeu dans la fiche de présentation, au moment de le télécharger, j'ai cru comprendre qu'il se dirigeait, je peux me tromper, hein, mais j'ai cru comprendre qu'il se dirigeait vers un modèle classique de commercial pour le voilà, une copie payante. En parlant de jeu de copie payante et tout le bazar, devrait enfin arriver le mois prochain aussi le très attendu troisième opus à Hong Kong. De Test Drive Unlimited, un jeu que j'aime beaucoup, mais le Hong Kong je serais pas prêt de le faire puisque il me faudra de toute façon un nouvel ordi pour et de toute façon il y a tellement de jeux à faire, enfin vous savez toujours l'éternel dilemme de pas avoir assez de temps, mais un jour viendra si la vie peut me faire le cadeau d'avoir le plaisir de découvrir et de jouer à Hong Kong, TDU Hong Kong. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai une carrière en cours dans le deuxième opus que j'ai laissé choir depuis des mois, voire des années, que j'ai pas fini. Ça doit être ma deuxième ou troisième carrière et je l'ai pas reprise. En train de me souvenir subitement que c'est vrai, j'ai un jeu en cours depuis Mathusalem. Ah, c'est parti. Alors attendez, pour YouTube, je vais casser l'introduction.